Salut les élèves, et bien aujourd'hui, Taoti et moi sommes ravis de vous souhaiter une belle rentrée scolaire. Et nous espérons vraiment que vous avez passé de très très bonnes vacances, n'est-ce pas Taoti? Oui, oui, oui. Voilà, moi j'ai fait des superbes vacances à la Guadeloupe. J'ai profité de la mer, du soleil, et puis par contre, J'ai révisé tous les sons de Taoki et j'espère que vous en avez fait de même. Et oui, car aujourd'hui nous allons vous présenter la méthode de lecture de Taoki. Tu es d'accord Taoki? C'est parti, on y va! Je vous présente donc la méthode syllabique Taoki et compagnie. Voici donc Taoki que vous connaissez déjà, le petit dragon vert au milieu, avec ses amis Hugo et Lily. Donc nos trois amis vont vivre plein d'aventures à travers ce livre et permettre aux élèves de découvrir les différents sons qui leur permettront d'avoir accès à la lecture. La toute première page du livre s'appelle « Mon abécédaire ». Ici, les élèves revoient l'alphabet déjà vu en grande section, normalement, à travers des images et des sons. Par exemple, A comme le sac, B comme le bol, C le canapé, D le jus d'eau, E le melon, F le fil, G comme dans Hugo, H comme la hotte du Père Noël, I comme dans le livre, J comme dans la jupe, K comme le kimono, L comme le lit, M comme la momie, N comme le nid, O comme le lasso, P comme le pull, Q comme le masque, R comme le riz, S comme l'os, T comme dans les bottes, U comme le salut, V comme la vache, W comme le wagon, X comme le xylophone, Y comme dans le stylo et Z comme dans le lézard. Mais avant, je te propose de réviser un peu ton alphabet. Comme tu peux le voir ici, sur cet alphabet, chaque lettre est écrite dans trois écritures. En capitale, en script, en cursive, c'est-à-dire en attaché. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est très bien, je t'invite à recommencer plusieurs fois. Voyons maintenant les consonnes et les voyelles. Les voyelles sont des sons dans lesquels la bouche reste ouverte. On ne referme jamais la bouche. Tandis que les consonnes font du bruit. Elles sonnent, on utilise les lèvres, les dents, la gorge, et ce sont des lettres, des sons qui résonnent. Voyons les voyelles. A, E, I, O, U, Y. Comme tu peux le constater, nous n'avons jamais fermé la bouche. Maintenant, voyons les consonnes. B, je fais du bruit avec ma bouche. C, la lettre C peut faire deux bruits. Elle peut faire S et elle peut faire K, comme dans le canapé. D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Ce sont les consonnes.
Tu verras donc que dans... Tu as donc vu que dans l'alphabet, il y a 26 lettres. Il y a 6 voyelles, A, E, I, O, U, Y, et 20 consonnes. Et tout cela te permettra d'apprendre à lire. Eh bien, Taoki et moi, nous sommes ravis de t'avoir présenté la méthode Taoki et nous espérons que tu as bien révisé ton alphabet et que tu continueras à être bien assidu tout au long de l'année scolaire pour apprendre à lire correctement, n'est-ce pas Taoki? Eh bien oui, et moi je m'occuperai de te raconter de très 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 belles histoires avec la maîtresse Mathilde. À bientôt les amis!